Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le récap. On est avec Hayley Zulu ainsi que Ugad. Comment ça va? Ugad. Ta mère! Photographes qui sont autour, ils sont envoyés par tous les journaux. Ils se sont rendus compte qu'ils disaient de la merde, etc. Max, ferme-la. Rewind sur. Aïe, aïe. Oh, Rasputin. Deux. Merde, c'est quoi déjà? Oh, c'est toi qui l'écoute le plus. Un. Ah bah top, non. C'est Boney M. Ah, Boney M. Ah bon, ouais, Rasputin. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Ah, c'est tout. Allez, on enchaîne. Quelqu'un qui élève chez lui des poissons d'ornement est un aquaplaneur. Non, mais attends, c'est quoi des aquavite. Poissons d'ornement? Bon, c'est pas aquarelliste. C'est pas aquaplaneur. Je pense pas que ce vous soit aquariophile. Parce que ça doit être plutôt un mec qui collectionne des aquariums. Un cinéphile, c'est pas un gars qui collectionne les cinémas. Donc à partir de là, oui, mais... le raisonnement s'écroule. Ah oui. Je vous rappelle. Franchement, il y en a aucun des quatre qui me parle. Mais là, vu ce qu'on, la discussion qu'on vient d'avoir, je mettrai aquariophile. J'essaye de pas regarder le chat et il y a un truc que je sais qui peut vous aider. Vas-y. C'est que l'aquavite, c'est de l'alcool. Je vous rappelle qu'il vous reste toujours. Non, je pensais aquariophile, hein, mais. Vas-y, aquariophile. Allez, gardons les jokers. D. C'est votre dernier. D. D. On retombe à 1500. Hein. C'est pas mon argent. Pas bien non plus, du coup, j'ai validé. Oh non. Le jeu vient de nous enculer. Ah mais c'est naze. Ah c'est nazissime. Oh le con. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et cette télé Rizzo, elle pue la merde. Hein. Je te le dis. Non mais c'est vrai. Elle pue la merde. Elle est dégueulasse. T'as dit ça, genre t'as jugé la télé en mode. Cette télé pue la merde. Elle crée de l'aliasing là où il y en a pas quoi. C'est genre. Qu'est-ce que c'est que cette chiasse? Et c'est un incroyable talent de bouffer des assiettes. Ouais. Très, très allez, fort. On va enchaîner avec quelques news. C'est parti. Ça va pardon. Alors. Il t'a snobé, gros. Il t'a snobé. Shame. C'est incroyable. Il est incroyable. Et bah non, il y en a encore. Je suis un fils de... Je suis désolé, mec. Je suis un connard. Ferme-la, ferme-la. Pourquoi aimeriez-vous vous réincarner si toutefois vous croyez en la réincarnation? Oh, moi, j'y pense souvent avec mes chats. Je me dis, est-ce que c'est pas des personnes réincarnées? Ils pensent souvent avec ses chats. Si je bosse le soir avec ses chats. Bah, les gars, non, mais... entre deux léchages de tétons de la part de Yugi, son chat, parce qu'il faut le dire, il m'a léché les tétons. Je dormais avec Max et je me retourne, je me dis mais qu'est-ce que tu branles? Et en fait je vois le chat. Au début je dis c'était lui, tu vois. Je sais qu'on est proche, mais bon. Et du coup moi j'ai vite pris le chat. Hop, je l'ai mis entre nous en mode non monsieur. Non non, c'est pas moi. Il a mis sous la couette Max. Du coup tu veux te réincarner encore en chat peut-être? Non, je sais pas, mais je me pose cette question aussi. Les animaux c'est... En lampadaire. Non, je sais pas, un petit truc. Bah, en vrai, un chien. En vrai, un chien ou un chat, ils se font chier, ils restent chez toi, ils dorment. Ils ont une vie de ouf. Les chats, gros, t'es sérieux? Le chat, il fait ce qu'il veut. Il ken, il chie. Mais il mange. Ken ton chat? Il ken. Il ken ton chat? Il chie. Mais non, il est castré. Bah, il voilà, ken. Mais il ken alors ou pas? En vrai, c'est pas. Avec un chat de poussière, tu sais, qui se balade dans la ville sur les toits et tout, c'est peut être marrant. Oui, en vrai, c'est pas mal. Oh là là, ta gueule, gros. Ça fume tellement, on dirait ma mère. Je sais pas dans quel sens il est son corps là. Ah oui, j'ai volé un CD dans un genre de Fnac. J'ai juste pas fait exprès. Oui. Genre, ma oui. Ma mère, elle m'a dit. Il arrête de faire ça, il hein, le c'est fait grave. Souvent, ça tue quand même. À se respecter. Les uns les autres. What a sitcom. C'est Friends. Friends avec Zulu. C'est le Phoenix. Yeah. When it hasn't been your day, week, your month, your
descend. J'ai pas du bon côté. Je pense que peut-être j'aimerais vraiment incarner en taureau de corrida. J'y viens, les taureaux de corrida, ils vivent quand même un certain nombre d'années. En gros, c'est tu bouffes, tu baises, et puis un jour vient le moment où c'est bon, Jean-Mi, c'est le moment, va dans l'arène, et là tu as peut-être une chance de démonter un connard d'humain. Mais mec, tu vas finir au Buffalo Grill au bout de deux mois, tu vas fermer ta gueule, hein, dans l'assiette, tu seras pas mou. Non, par contre, j'aimerais bien me réincarner dans un animal, mais avoir tous mes souvenirs et penser comme un humain. T'imagines un chat qui lit le journal, qui fume sa petite clope. Tiens, genre, t'agis comme un humain, ce serait stylé. J'apprendrai à marcher. Pourquoi taureau de corrida? Genre, tu kiffes la corrida? Non, moi, je déteste la corrida. Ah, merci, je déteste ça en tant qu'humain, je trouve ça naze. Mais je me dis, en tant que taureau, si je peux avoir une chance de démonter un bâtard d'humain et baiser des vaches. Oh, baiser là là des vaches pendant des années comme ça. En fait, je me suis dit, c'est quoi l'animal, tu vois, qui a le plus la vie de pacha pendant un certain nombre d'années? En gros, je sais pas si c'est comme ça dans tous les élevages, mais en tout cas, dans certains élevages de corrida, ils ont une vie, gros. Un moustique. Ils sont bien, hein. Ils sont très très bien. Je cherche tous les trucs qui peuvent m'éponger. Oui, c'est old, mais pourquoi j'en reparle? Parce qu'on a des infos sur le pourquoi du comment. Donc niquez vos darons. Élevé dans le Cantal, la Salers, c'est une chèvre. Chèvre. Oh. Poule. Non, je l'ai piffé. Je dirais une vache, mais Cantal, c'est du fromage, tu vois aussi. Et donc le fromage, c'est fait avec du lait fermenté, qui fait du lait. A priori la chèvre ou la poule. Mais oui, c'est clair. Bon, moi je dis ça. Est-ce que tu valides ou pas? Ouais. Ouh là là. Ouais. Attends, c'est là que ça, c'est un truc où on va faire. Later. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of. Patty cake, patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you famous on Instagram.